Et bien salut à tous, c'est FeliThomas pour DroidGames.fr et on est sur le jeu Beach Buggy Racing. Donc c'est la suite, c'est un jeu du développeur Victor Unit. Donc ils avaient déjà sorti un jeu qui s'appelait Beach Buggy Blitz, et donc c'était un jeu dans le même style mais en sous forme de runner. Donc c'est le jeu était sympa mais en soi du coup au final c'était pas super intéressant vu que c'était vraiment c'était juste sous forme de runner. Et puis là du coup ils ont sorti le même jeu avec la même base de contrôle. Et on est sur un jeu de course avec vraiment, voilà, on a notre voiture, notre personnage ici. Et on a un jeu de course, un vrai jeu de course avec un peu à la Mario Kart. Et on est sur un jeu de Pokémon, mais que vous ne pourrez pas trouver sur le Play Store. Je l'ai trouvé en fait, j'ai installé une ROM MUI sur mon Nexus 5. Bon, c'est la ROM de Xiaomi, c'est ce constructeur chinois qui a sa propre ROM de son côté, puis qui n'installe pas donc le Play Store sur leur appareil en Chine. Du coup j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait, mais j'ai regardé un peu leur store, ce qu'ils avaient sur leur store à eux, et j'ai trouvé ce jeu. Bon alors évidemment tout est en chinois, je ne comprendrai rien, ça va sûrement être assez difficile pour avancer dans le jeu, mais c'est juste histoire de voir un peu comme ça par curiosité ce que donne un jeu du genre. Et on est sur le jeu World of Tanks Blitz, donc c'est en fait, pour ceux qui connaissent pas World of Tanks, c'est un jeu de tank, ouais effectivement. Qui est sorti sur PC il y a de ça 3 ans, qui a une version portée sur Xbox 360 et qui a maintenant droit à une version mobile. Et on est sur Elite Droid 3D, la deuxième partie, donc partie 2. Donc c'est un jeu d'hélicoptère radiocommandé en mode miniature joué, ce qui fait qu'on contrôle notre petit hélicoptère radiocommandé comme on pourrait l'acheter dans un magasin de jouets, peut-être un peu mieux quand même. Et aujourd'hui on est sur le jeu Prop Hunt, donc c'est une version qui a été faite pour mobile, qui a repris le jeu, le mode, c'est ça, c'est le mode de Counter-Strike, non pas de Counter-Strike, de Garry's Mod sur PC, et donc c'est un développeur indépendant qui avait porté ce jeu sur mobile, enfin qui l'a fait à sa façon, et donc là on va faire une petite partie en ligne. On est sur le jeu Open Flight 4 qui est donc la suite du jeu Open Flight 3 qui était sorti l'année dernière il y a à peu près un an, ouais voilà, c'est à peu près ça. Donc on va faire play, on va voir à peu près ce que ça vaut ce petit jeu. Donc on est Stickman et puis on se la joue un peu à la Spider-Man entre les immeubles dans la ville, là voilà. Et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle Angel in Danger, donc c'est un jeu qui était fait par un développeur indépendant, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment pas quelque chose de très connu. C'est un jeu qui a été fait a priori sans trop de prétention. C'est un petit jeu qui reprend un petit peu beaucoup les traits de Super Mario 3D Land qu'on peut trouver sur la 3DS. Donc ce jeu c'est Gummy Dad Color Land. En fait on est une sorte de petite gelée rouge comme ça qui bouge, enfin qu'on déplace sur une plateforme ici jaune, et le but c'est de c'est d'aller chercher les autres petites gelées. Aujourd'hui je vais vous montrer un jeu qui s'appelle Hyper Trip, qui est édité par Multipix, et je vais vous présenter parce que j'ai trouvé ça sympa. J'ai fait 2-3 parties avec, bon un petit peu plus, en tout cas pas beaucoup, mais bon voilà quoi. Et je vous montrais ça, c'est parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est un jeu de scoring. Et on est sur le jeu Evolutive World, donc en fait c'est un jeu qui a été créé par deux étudiants, donc c'est vraiment un jeu complètement indépendant, et puis ils ont appelé leur équipe Team Evolutive, hein, donc c'est leur nom sur le Play Store. Et donc on a un jeu de plateforme où on contrôle un petit personnage, et puis on a une petite histoire, c'est que on est dans un monde où les couleurs ont été volées, bon. Et on est sur le jeu Spider-Man Unlimited, donc c'est le nouveau jeu de Gameloft qui vient de sortir. Donc c'est un jeu de Spider-Man, mais c'est pas un jeu d'aventure comme les autres Spider-Man qui ont pu être repris par Gameloft précédemment, donc The Amazing Spider-Man 1 et 2. Là c'était vraiment des jeux d'aventure, et là on a on a une petite aventure aussi, mais c'est un jeu qui est sous forme de runner. Là on vient de ramasser un arc, il y en avait un dans le premier niveau je crois, je sais plus. Et ça permet de tirer des flèches. Un petit détail qu'il n'y a pas par exemple dans Super Mario 3D Land, c'est plutôt sympa, voilà, c'est peut-être un peu pour passer à travers les sauts qui sont pas totalement contrôlés. Bon, comme vous pouvez le voir, j'arrive bien à sauter, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On va essayer d'attraper l'étoile. Bingo. Et là on a des points d'interrogation,
donc un peu à la, au carré magique de Mario. Et donc là on a un système de défense qui va nous permettre de contrer les trucs quoi. Et on a un petit turbo sur notre gauche, on va faire ça tout de suite, voilà. Et on a une fusée qui permet de, je ne sais pas quoi faire, on va essayer ça tout de suite. Je suppose que normalement c'est fait pour attaquer les mecs de devant, mais comme il n'y a personne, j'ai pas vu ce que ça fait. Bon, en tout cas là on a l'équivalent des bananes de Mario Kart, un peu de pétrole sur la route, ce qui permet de ralentir les adversaires. Et je finis premier. Bon, toujours pas de couleur. On a un peu plus de couleurs un petit à petit avec les plateformes là, mais il y a que les monstres qui ont des couleurs. Hein. C'est vraiment, ils nous ont volé les couleurs. Hein. Ils sont pas gentils. On va à gauche ou on va à droite? J'ai envie de la tenter à droite. Ouh, j'ai mal calculé le saut. On y est. Ok, ok. Encore un petit. Yeah. Ok, ok. Ok, ok. On y est, on y est. Hop. Ok, ça c'était pas, très joli. Et là, vous voyez où j'appuie sur l'écran. Donc là, pour me tourner, j'utilise ça, le petit pad à droite. Avancer, reculer, monter et descendre. Voilà, et puis là, l'idée, c'est de tuer les petits osio, là. Hop. Avec, voilà. Enfin, les tuer, en tout cas, les faire bouger. C'est peut-être pas l'idée de les tuer non plus, hein. on n'est pas cruel. Voilà, j'arrive bien à manier ça. Tac. Hop, et voilà, on l'a eu. On l'a eu. Hop, on se pose et on le lâche. Nickel. Nickel. Mais, bon là, évidemment, si je saute, voilà, je me prends ça. Donc, le but, là, c'est d'essayer de les éviter et d'user le dernier pour essayer de prendre la gelée. Ok, on va repasser de l'autre côté. Voilà, on va sauter à partir de là. Tac, là ça passe. Et on va revenir. Non, ne touche pas. Non, ne touche pas. Non, non. Et là tu touches. Yes. Ok, on est bon. Oh, zut. J'ai cassé un arbre. Désolé l'arbre. Et on va pas faire trop dans l'écologie ici. Bah tiens, on va se cacher dans le buisson ici. Normalement, techniquement, si les ennemis sont pas trop près. Bon, je crois qu'ils m'ont déjà remarqué. C'est pas bon. C'est pas bon. On fait demi-tour. Hop. Je ne me fais toujours pas assez de maniabilité tactile. On va essayer de le prendre, lui. Est-ce qu'on peut le toucher? On l'a touché. Ça, c'est du beau travail, vous voyez. Travail de pro. C'était moins du travail de pro. Ah, il me touche pas lui par contre. Hein. Voilà, bon, faut savoir aussi que selon là où on touche le tank, soit ça va le percer, soit ça va pas le percer. Donc du coup, soit ça va le toucher, soit ça va pas le toucher. Ah, je l'ai pas tué. Et toi, dès que tu passes. Voilà. Non, j'ai plus de vie que toi par contre. Voilà. Allez, un petit kill. Le premier de la vidéo, peut-être le dernier, je sais pas. Et il reste 5 tanks ennemis. Allez, on va se mettre dans le buisson cette fois. Non, il y a lui encore là-bas. Et on prend le temps de viser et normalement, voilà. Hop, des petits kills. Ça va, on joue pas trop mal. Ok, donc on a des attaques, non? Je sais pas trop, c'est des objets. On associe des objets au Pokémon. Ouais. C'est plus du tout de l'ordre de Pokémon. On a un autre Pokémon. Oula. Ok, donc là on arrive dans le combat. On va voir un peu ce que ça donne le combat. J'ai rien fait. J'ai touché à rien. Ok, bon, ils se battent tout seuls. Ok. Bon, on choisit pas les attaques, rien du tout. Ils se battent tout seuls. Bon, apparemment j'ai réussi mon combat. Un autre. Bon, a priori il n'y a aucune aventure. C'est juste un menu comme ça où on enchaîne les combats. Bon, alors il n'y a plus aucune notion de Pokémon. C'est pas du tout un RPG. Allez, viens danser. Les gens, pas un truc plus méchant à dire, hein, truc. Non, c'est viens danser. Donc voilà, on est sur notre petit runner. Donc là, vous pouvez voir les mouvements de mon doigt.
Donc je le glisse sur les côtés pour changer de ligne. Et je peux glisser ou sauter comme ça. Voilà, on faire des glisser en haut et en bas pour attaquer un monstre. Et là, lui, je vais essayer de l'attaquer. Là, j'appuie sur l'écran. Quand j'appuie sur l'écran, il utilise la toile pour monter. Voilà. Et on doit attraper ces petites capsules qui nous servent d'argent. Là, je saute. Hop, on va éviter ça. Non, on va sauter pour attraper l'argent là. On va faire par ici. Voilà, voilà. Et c'était pas prévu au programme. Mais voilà. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et même à partager la vidéo si vous voulez. En tout cas, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.